Urucanco rugira kabiri k'ingwara ya gasama na rubeur ni ngombwa ku mwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingira amagara yiwe. So mardi 17 mars 2020, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a été alerté pour un probable cas suspect de COVID-19. Il s'agit d'une fille âgée de 29 ans, d'origine française, et a séjourné au Rwanda du 5 mars 2020 au 9 mars 2020. Et deux autres collègues, toutes d'origine française, avec lesquelles elle était ensemble durant son séjour au Rwanda, sont toutes isolées à leur domicile 6 à Ruelo 1, avenue Rutana, parcelle numéro 20. Signalons que pour le retour au Burundi, elles auraient pris une voiture privée dont le nom du propriétaire n'est pas connu. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a alors activé son équipe d'intervention rapide multidisciplinaire composée de médecins, de laborantes, des hygiénistes pour une investigation approfondie. Au cours de l'investigation, l'état général était bon, sans aucun signe d'atteinte respiratoire, sans fièvre, puisque sa température était de 36,6 degrés Celsius. C'est ainsi que pour confirmer ou infirmer le diagnostic de COVID-19, l'équipe a fait deux prélèvements nasaux et nasopharyngés pour analyse au laboratoire national de référence 6 à l'INSP. Le résultat de l'analyse à la PCR fait dans le laboratoire national de référence de l'INSP par une équipe composée de laborantes de l'INSP et de deux experts de l'OMS s'est révélé négatif. Ce matin, 18 mars 2020, au poste d'entrée de Gatumba, notre pays a accueilli 1593 adeptes des EBI qui sont refoulés par les autorités de la République démocratique du Congo. Toutes ces personnes ont été soumises au screening médical systématique. Aucun cas suspect de coronavirus ne se trouve parmi ces groupes. Les équipes du ministère de la Santé vont poursuivre la surveillance à leur site de résidence temporaire qui sera déterminée par les autorités habilitées. En conséquence, le Burundi n'a donc jusqu'ici enregistré aucun cas de coronavirus. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida saisit cette occasion pour porter à la connaissance du public cas daté du 19 mars 2020, la mesure de mise en quarantaine est étendue aux voyageurs en provenance de Dubaï. Notez bien, le port des masques est indiqué uniquement aux suspects, aux malades et aux prestataires chargés de la prise en charge de ces derniers. Autres personnes, outre les personnes citées, le port de masque ne sert à rien en matière de prévention contre le coronavirus. Nous mettons également en garde les commerçants et les propriétaires des pharmacies qui commencent à spéculer sur les produits de désinfection et de lavage des mains pendant cette période. Des mesures très sévères seront prises contre tous les contrevenants. Je vous remercie. Urucanco rugira kabiri k'ingwara ya gasama na rubeur ni ngombwa ku mwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingira amagara yiwe.